Où est connecté Franz Kol? Oui, son père l'église. Ok, il a dit c'est lui qui a fait commande demande franchise là pour dédouanement conteneur et c'est lui-même qui a contacté Madame Gina pour te faire suivi. Yo. Bah, il y a information. Ok. Qui est-ce qui va où? Alors son média en ligne, alors son média qui relève ses références qui fait que la relation, le secrétaire exécutif diocésain de l'Église épiscopale d'Haïti, Franz Kol, qui avait fait la demande de franchise pour le dédouanement des conteneurs. Et c'est lui qui avait contacté Gina pour lui demander de faire les suivis relatifs au dédouanement. Radio référence FM que nos charismes ont dirigé. Monseigneur, à la côté de cause papa. Monseigneur Beauvoir. Radio. Moi freeze. Oui, me freeze. Oui. Ça qui passé? Gonpère qui est impliqué dans ça? Selon sa référence écrit. Oh. Hein? Vous venez de l'autre côté là, monsieur? Chalmas à la côté. Non, on va continuer. En forme? On va continuer. Nous savons les autres bagailles? Non, c'est Dieu faisant. Ou pas t'as imaginé ça? Non. Ok. Ouais. Ok, on va continuer. Eh bien, nous pas le finir, on va en plus, vous l'avez dit. Moi-même, tout ça que je suis capable de dire pour me finir, moi, je souhaitais de tout cœur que l'Église collabore avec l'État pour aller au fond de cette histoire. Ouais. Pour que moi qui fais le capable, responsable de Zakio, et permettre que l'Église là capable de retrouver dignité, l'exécution. Parce que nous, les serviteurs, n'a pas passé. Heureusement, malheureusement, Zakio a affecté l'Église. Dans les chutes des lieux, on ne capotait pas. Même si on se dit la révélation, ça, même si on connaît ça, fait tout le monde mal. Mais de façon sereine, avancer pour un dénouement, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de l'Église. Et l'Église, c'est pour moi la plus parfaite liée. Donc, Ecclesia Semper Reformanda Est. Ça veut dire l'Église n'est pas parfaite, elle est toujours à être réformée, réforme constante et permanente. Et. Non, on va couper la parole, moi. Non, c'est pas moi qui coupe le nom, c'est une nouvelle là qui m'a partagé avec vous. Puisque c'est ça, métier, il faut bien une nouvelle là, pas gagner attention. Madame Ginaro, c'est le père Franz Kol, c'est pour le commander. Selon référence, radio référence. L'église a besoin de prière. Quoi? Il dit l'église a besoin de prière, mais ils ont empilé l'arrestation, oui, si ça a confirmé, monseigneur Beauvoir. Pardon? Grand pile monde qui pour aller en bas code oui si tout ça qu'a dit là c'est confirmé. L'État pas changé les unis sur aucun moyen pour établir l'ordre, pour même aider nous établir l'ordre dans l'église. Parce que nous-mêmes, je dis à que l'église, si vous ne pas de l'église, confiance, est-ce que vous avez une confiance encore? C'est un intelligent, monsieur. Pour ces droits-là, il y a des l'église. Il faut nous déçus de tout soupçon. Il faut accuser nous. Mais il ne faut pas que je ne parle pas de grâce, je ne parle pas de poids qui accuse nous. C'est ça qui va à moi. Et nous servir l'église, je veux dire, c'est un trésor dans des vases d'argile. Le vase n'a pas tombé, l'écrasé, l'écrasé, mais le trésor de l'évangile, il n'est pas passé lui-même. Si c'est le cas, les décisions ont commencé à prier pour Père.
me permet que moi douter. Oui, oui. Moi, ben... Oh là là. Oui, parce que Gina Walls actuellement dans DCPJ, ça veut dire lui même tout la parler, ça veut dire il pas prêt en prison lui même seul. Donc certainement il commence à parler dans DCPJ, il y a des détails parce qu'il y a cuisine là dans DCPJ, il y a des détails là-bas, même Jean commissaire gouvernement pour DPA, hein, Michel Vigile, il y a parole, il prend le bail tout, la parler, faut le collaborer puisque situation extrêmement grave. Nous connaissons, on a traité des dossiers qui gagnaient Moladan, monseigneur Beauvoir. Mais quand même, si c'est là pour nous passer et pour payer à la brale, on dit souffre parce que... Folle pour tout le monde. Folle pour tout le monde. Parce que mon papa comprend comment pour l'église, ça se fait dans le bain. Et puis tout à l'heure, ce bonhomme m'a appelé un mois et demi, le Zimbabwean, out of the blue, pour dire comme ça, nous sommes années de help. Je dis pour qui ça? Pour qu'on continue à venir pour l'église. Qui vient d'être pour pouvoir certains lieux, je suis quand même des soucis, ça va inspecter. Parce que le colonel vient à cause de terrain blanc, c'est trop de coups, notre température. Mais Zimbabwe, ça, vous m'aimerez les monsieur Beauvoir? Vundlam, parce que vous prenez un monsieur. Comment allez-vous? Parce que vous Vundlam. Vundlam? V-U-N-D-L-A. Vundlam. V-U-N-D-L-A. Ok. Et puis, moi, je dis, monsieur, oh, je ne vais pas faire le monsieur. Et puis, je dis, mon père, allez. Maintenant, on va attendre M. longtemps. Et le temps de M. Té révoqué dans l'église là, automatiquement, moi, je prends le téléphone, je le broker pendant, il y a, je dis, tout le monde a sauté les lèvres là. Et puis, il y a encore la débat avec l'église là. J'attends un peu l'église là, toujours. C'est ça, moi, je dis, c'est bon, d'accord, des douanes pour l'église là. Alors, c'est compté, ça, il découvre là, il t'a parlé de eux? C'est peut-être ça, c'est un mois et demi à peu près. Un mois et demi. Ok. Ça fait un mois et demi, mais c'est aussi de l'autre. Ok. Il y a Gino Jean-Baptiste qui voulait poser une question, monsieur Beauvoir. Alors, Gino Jean-Baptiste qui voulait poser une question, monsieur Beauvoir. Oui, monsieur Beauvoir, je vais prendre plus de temps pour me tendre où. Pendant que je fais quelques contacts pour l'émission. Est-ce que jodi a vu en pleurs bagaille ça prend et vu que tout discrédit bagaille ça jeté sous dos l'église, c'est-à-dire que l'église malgré dérive société a malgré faillite collective société a t'es toujours été en sorte de rempart, en sorte de on capable dire un garde-fou, un petit côté qui gagne au moins son minimum, ne serait-ce un minimum de moralité. Est-ce que jodi a vu avec bagaille ça vraiment qui j'étais un gros discrédit sous l'église, est-ce que monsieur monseigneur Auger Beauvoir prêt et disponible disposé pour le répondre question à la justice si au cas que tu as fait appel à lui dans le cadre de dossier ça? Bon, moi-même par contre je suis dans l'administration. Bon, ça capte passé. Mais surtout, il faut la justice des impôts, il faut que le problème. Ok. Au-dessus de la loi. Même pas qu'on a dit ça, on ne pas qu'on elle. Donc, et moi, tout ça fait pour faire l'énergie qui est sur la base ça, moi, je crois que ça pédait le pays et la pédait l'église. Tout. Parce que c'est embarrassant pour l'église. Et ça a montré tout ça. Les nappes prêtes de faire avec légèreté, la pointe de mon poudre, écoutez la première, non. Parce que moi, pendant 7 ans, j'ai une franchise, une institution, deux franchises. Pas jamais de la moindre ma vie avec la douane. Parce que ma vie en personne responsable, l'État fait pour un privilège, c'est pour un droit, c'est un privilège. Moi, j'ai réglé de façon correcte pour ne pas tomber dans la personne. Moi, je pensais, c'est quelqu'un monde qui sortit dehors, peut-être dit, qui a vite apparu, comme l'aime connaître Zimbabwe et Saoudini. La plus tournée en dedans. Parce que peut-être qu'il va falloir subtiliser la veille. Mais ça nous donne ce moment-là, c'est grave. Monsieur, monsieur Beauvoir, il y a une autre nouvelle là qui s'est fait tomber. Bon, lis ça vous. Est-ce qu'on a deux mouns ça? Lindor Rémy et Franklin Batista sont dans l'œil du cyclone. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince enjoint la DCPJ de saisir l'Interpol en vue de les déférer par devant le parquet pour qu'ils répondent de leur forfait. Ils sont les expéditeurs des cargaisons d'armes illégales saisies à la douane de Port-au-Prince. Ou quand M. Lindor Rémy et Franklin Batista, ou quand de Mounsayo? Je ne sais pas, 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 je ne sais
comme moi depuis 7 ans, je ne pas connaître employé du de ses vins. Son côté, je ne pas connaître depuis qu'il est là. Ça, ça me déconne, dans l'émission, Boucan de la parole, nous sommes une émission qui très, qui agit de manière didactique dans tout dossier que nous avons mené. Lorsque l'Église épiscopale comme institution qui est franchise dans le pays, lorsque par exemple nous avons fait des commandes, nous avons des conteneurs, des bateaux qui sont rentrés, est-ce que à l'avance, est-ce que par avance, nous n'avons pas de papier qui transmet by douane, qui dit voici les contenus. Mais ça qui est en bas, toi, mais ça qui est en conteneur. Monsieur Jean-Baptiste, c'est un dossier tout en processus de lien. Là, on passe d'abord un conteneur, on passe d'abord un conteneur pour l'église. Il faut le voir, on les voit avec toute sa voie, pas qu'un lit, mais ça peut être un voie, mais ça la donne. Maintenant, il faut le pas qu'un lit, ça, l'église a parlé qu'il y a un lettre au ministère des cultes, qui est le ministère de tutelle de l'église, pour le dire. Mais ça me se voit comme l'État va franchir au ministère du tutelle, moi, m'en devenir sectionnant pour lui capable d'autoriser le droit de moi. Et moi, pour le ça, il faut que tu passes en tête institution. Il faut que tu aies une signature. Si c'est une signature déjà dans le financement, il faut signer l'État pour aller tout côté de l'agent de sens pour le signer. Et maintenant, l'est arrivé, je connais à tout contenu, pas qu'il y ait l'État, c'est sous la porte de ça que le ministère des cultes. Si tout sont recommandé que exonéré, qu'on y a des bolettes pour aller dans le ministère. Il n'y a pas besoin de voir le ministère des Finances directement. Et puis, le ministère des Finances va au mémorandum de la douane de boisson. Son processus, c'est lié. On va vous dire, on va trouver une boisson, non? Oui. Et c'est ça qu'on y a. Dans ce moment-là, comment ça fait que quelque part, il y a un monde qui te fait l'être ça. Parce que ça fait suivre, parce que c'est un insider qui est impliqué. C'est ça, c'est ce là. Donc, parce que bon, on n'est pas à toi le bon, non? Oui. Donc, pendant que tu es en dirigeant institution qui est franchise, je ne pas si tu l'as très bien. Moi, je fais en sorte que nous avons tout bien à l'enseignant sur celui-là. Moi, avec le directeur et le financier, bien satisfait. Un homme sérieux. Pendant que tu n'as pas, j'aime beaucoup la vie avec la douane. Parce que faut qu'on ait l'état bon privilège, comment pour gérer dans l'intérêt commun. Nous allons finir, Monseigneur Beauvoir. Déjà, il y a un commissaire gouvernement Port-au-Prince qui m'a demandé DCPJ pour collaborer avec Interpol. Interpol, on est la police internationale pour demander arrêter pour lui Lindor Rémy et Franklin Batista. Et déjà, il y a des gens là, et je me suis parlé avec référence, radio référence, qui confirme oui, et c'est tweet par lui. Il y a des gens qui ont la police. Qui en bas met la justice et la police, qui sont souhaités dans quatre dossiers, ça, Monseigneur Beauvoir, pour nous finir. Que la justice fait cool, que la justice tranche. Parce que si pas moi, ils n'ont plus de bail, ils n'ont pas de pays d'impunité. Et ça fait des nouveaux témoins, je veux dire. Oui. Qui me font bail, dans la forme paye, conséquence, moi. Ça va dire que, je parle, je m'a toujours prié pour tout le monde, c'est tout le monde côté. Mais il faut qu'on comprenne comment c'est, je veux dire. La police manger pour tout. Des femmes responsables. La prise, la justice allait jusqu'au bout. Il y a bien deux conséquences. Mon criminel a jugé selon la loi. Également, l'église se faisait collaborer pour aider à rétablir la dignité. Bon, tout ça, Monseigneur Beauvoir, peut-être, c'est peut-être avant, dernière question. Hein. Ça va passer là, si la justice humaine mène une enquête, li, yo découvre comme si l'église a là dans tout bon vrai, tout bon vrai, l'église a impliqué dans faire entrer les âmes en dans pays pour faciliter des mondes qui gagnent activité parce que des mondes qui utilisent franchise yo, ou pas quoi ça a tout craser l'église là, parole l'évangile, on capable entendre en Haïti, oui. L'église ça c'est ça que fait l'église m'a fait intervention sur bagage ça. Moi mandé comité permanent pour collaborer avec l'État. Sans collaboration, l'Église n'est pas une vérité. Vous entendez bien? Nous là. Pour sauver l'Église.
pour les gens qui font ça, ils payent pour ça ou faire et pour les gens continuer. Il faut les agir tout transparent. Si vous avez fait pour ça, la souveraineté de nous aujourd'hui. Avant nous quitter, nous connaissons que vous êtes très impliqué ou très impliqué dans un processus de dialogue qui t'a supposé, si tout se passe bien, à une sortie de crise à pays. Donc, si je dis à bagay ça, bah, si je dis à non, bah, elle a déjà provoqué un pile tollé qui a censé tourner là un scandale. Est-ce qu'on pense que Monseigneur Ogier Beauvoir gagne assez de crédibilité ou du moins ça se trouve toujours confortable pour piloter processus de dialogue ça? Vu le scandale, c'est ça fait, non, en opinion. Je suis plus confortable pour Kelly parce que je suis Ogier Beauvoir avec toute intégrité. Bah, j'ai impliqué dans rien qui passe ça. Bah, j'ai un rien qui est légal. Je vais tout faire avec. Même dans la le fait que l'église qui va partenir concours, ça fait moi dire que je collabore avec l'État pour me finir dans la DN pour vérité assortie. Mais mon intégrité, Ogier Beauvoir, c'est toujours là. Et je passe un travail dans plusieurs pays déjà. Tout ce que j'ai comme chef, c'est mon intégrité. Yeah. Et je me suis dit, si ou est, jeune que j'étais.